Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 37 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Valerio. Bonsoir tout le monde, bonsoir Antoine, bonsoir Pierre. Bonsoir. Et oui, alors ce soir on reçoit donc Pierre Taranzano, auteur avec ses comparses, Monsieur Romano, je ne sais pas son prénom d'ailleurs. Cyril, ouais. Et Axel Mazuet, du très 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 bon, de la très très bonne, parce que c'est une bande dessinée, Les Portes de Shambhala. On en parlera tout à l'heure, plus précisément avec Pierre. Et puis, eh bien, cette semaine, Valerio, c'est toi qui t'y colle. Tu viens donc co-animer avec moi, comme vous le savez, là jusqu'à la fin de l'année. On va faire revenir tous les anciens de Miasme TV, une semaine sur deux, et voilà. Donc Valerio va co-animer cette émission avec moi ce soir. Donc ce soir, on va parler eh bien du nouveau crowdfunding de Pierre concernant donc les portes de Shambhala, les sources. On en reparlera dans une poignée de minutes. On aura le courrier des lecteurs. Avec Valerio, on ira du côté de Rennes-le-Château. Il y a une conférence là, qui se prépare cet été qui a l'air excellente. Plusieurs conférences, tout à fait. Une série de conférences. La sortie, pour les gamers, vous n'avez pas pu la louper, de Zelda cette semaine, ça fait un carton plein. Voilà, on en parlera. Et puis, la semaine dernière, on n'a pas parlé d'IA. On va y revenir cette semaine avec le bot d'Elon Musk pour conclure cette émission. Voilà, un beau programme. Pierre, bien écoute, t'interviens quand tu veux dans cette D'accord. émission. Et donc, eh bien, je vais partager d'entrée de jeu le crowdfunding que vous avez lancé, ou bien il y a une poignée de jours là. Les sources de Shambhala. Et tu remarques, hein, regarde, j'ai participé, hein, ça y est. Ah. J'ai montré l'exemple, les amis miens. Non, il faut. Il y a 15 minutes. Il y a tout juste 15 minutes, voilà, pour montrer l'exemple. Alors, en deux mots, ce projet, eh bien, il part de cette BD. C'est un volume. Il y en a quatre là-dedans. Moi, j'ai acheté l'intégrale à l'époque. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc celui-là, voilà, tu l'as montré. C'est l'intégrale. Donc c'était sorti en album initialement. Hein, il y a quatre albums. Voilà. 1, 2, 3, et le dernier, le quatrième. Voilà, ils sont sortis à partir de 2007. Et puis, 2007 déjà ? Et oui, c'est une série qu'on a commencé il y a très longtemps, enfin il y a assez longtemps. Donc, il a été réuni en intégrale, je crois que c'était en 2017. Pour présenter un peu la série, c'est une série d'aventures ésotériques. On dit souvent, pour situer un peu, que c'est un peu entre X-Files et Indiana Jones, comme c'est marqué là. X-Files, bon, pour le côté enquête sur des sociétés secrètes, mystères, sciences occultes, une histoire assez complexe, parce qu'on s'intéresse à des sociétés secrètes très obscures qui mêlent à la fois l'espionnage et l'ésotérisme, l'occultisme. Et le côté Indiana Jones, parce qu'il y a aussi un côté aventure avec beaucoup de voyages, beaucoup d'actions, et puis du fantastique. Voilà. Et donc, et puis c'est surtout que les sujets de fond que traverse le héros à travers les quatre tomes de la bande dessinée, ce sont vraiment les sujets de prédilection de nos amis Mi. Je vous en cite quelques-uns, mais on y reviendra tout à l'heure par rapport à la table des matières du livre que tu vas sortir. Donc, le voyage astral, Jack l'Éventreur, la Golden Dawn, forcément Lester Crowley, qu'est-ce que ça c'était l'œil d'Horus qui va plaire à Jérôme. Al-Azif ou le Necronomicon, les crânes de cristal,
Liber Legis, ça c'est la Terre creuse, Agartha, Shambhala, forcément, les Illuminati, le rêve lucide, les enfants de la Lune, les reptiliens, les dragons verts. Quoi, je Oui, c'est vois. vrai qu'on a mis beaucoup de sujets. En fait, c'était ça l'idée de la BD, c'est qu'on était avec Cyril et Axel, on est des passionnés de paranormal, de sciences occultes, d'ufologie, enfin, tout ce qui est mystère, quoi. Et on avait envie d'en faire une BD, donc on a construit une histoire qui permet de raconter un peu tout ça. Alors après, il y a des thèmes principaux, on va dire. Le thème de Shambhala et de la Terre creuse, c'est quelque chose qui est un petit peu un fil conducteur en filigrane. Et après, on parle beaucoup de. Chaque tome se concentre sur une société secrète. Le premier, c'est la Golden Dawn, l'aube dorée, dont par exemple Le Matin des Magiciens a beaucoup parlé. C'est un peu ça qui nous a mis. C'est ce bouquin-là qui nous a mis dans cette voie. Ouais, Jacques Bergier, Berger, le matin indispensable. des magiciens. Ouais, qu'est-ce que j'ai pu découvrir comme thème en lisant ce livre Oui, de Jacques Bergier à l'époque? puis c'est tellement bien raconté que ça donne envie, quoi. La Golden Dawn, après, c'est l'OTO, l'Ordo Templi Orientis. Moins connu, peut-être, mais très important. Le troisième, c'est les Illuminati. Alors, on pourra peut-être développer si vous voulez. Et puis, le dragon vert, donc inspiré des sept têtes du dragon vert de Teddy le Grand, même si on a fait quelque chose d'assez différent. Et on l'explique justement dans le bouquin, dans les sources, dans le bouquin sur les sources. Il y a aussi, dans la BD, en dehors de ces thèmes-là, beaucoup de clins d'œil, beaucoup de petits détails qui ne sont pas forcément importants pour l'histoire ou pas forcément visibles au premier coup d'œil. Oui, j'ai cru voir comment il s'appelle le moustachu qui vit à Miami là. Ah oui, Higgins. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, Magnum et voilà, puis son copain Higgins. un petit clin d'œil à des séries télé, donc certains personnages qui sont des petits clins d'œil. Par exemple, quand on parle du Necronomicon, c'est vraiment un petit détail dans le décor. Ce n'est pas quelque chose qui est dans l'histoire. C'est un petit élément qu'on a glissé comme ça pour faire un clin d'œil au lecteur. Et il y a aussi dans la série, dans la BD, il y a aussi la quête. Il y a une sorte d'initiation, en fait. Le personnage va passer les épreuves et puis va acquérir des capacités comme le voyage astral, le rêve lucide, ce genre de choses. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont on voulait parler. Alors, Et donc, déjà qu'on les remette bien dans le sources. contexte pour nos amis mimi, que ça soit bien clair pour tout le monde, donc ce n'est pas un crowdfunding pour la bande dessinée. La bande dessinée, vous allez Voilà. pouvoir la retrouver logiquement, on peut encore la retrouver, même si la dernière édition c'est 2017. Alors, elle est plus commercialisée. D'accord, donc il Officiellement. faut Après, chiner un peu. on peut encore en trouver sur Internet ou on peut nous les commander à nous directement. Ah, vous en avez encore un petit stock? Ouais, on a un petit stock. D'accord, t'as pas fait de contrepartie, la BD plus les sources. Alors, oui, je l'ai rajouté. Ouais, je l'ai rajouté. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que ouais, j'ai rajouté l'intégrale plus les sources, là je le vois pas, tiens. Non, je le vois pas. Je l'ai pas trouvé. Ça doit pas être J'ai encore en ajouté, ligne. mais bizarre. D'accord, bon, en tout cas, il y aura la possibilité d'avoir l'intégrale plus les Oui. sources. Très bien. Oui. Alors, on Tu va les parlais de voir. ciné. Ouais. Pardon, hein. Tu parlais de ciné, je te coupais. Je suis vite allé voir sur Vinted. On trouve des BD en occasion. Oui. On peut D'accord. en trouver un peu partout, en occasion. Après, moi, je fais pas mal de salons du livre, festival BD, donc j'ai toujours quelques exemplaires, mais c'est vrai qu'il m'en reste pas beaucoup. Donc, je pense qu'on va aussi rééditer la BD en intégrale noir et blanc. Mais là, donc, le crowdfunding, donc la campagne de financement participatif,
C'est pour les sources de Shambhala, donc c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis le début, mais qui a pris un peu de temps. Alors, ce que je te propose, on va partager un petit peu le PDF que tu m'as envoyé. Comme ça, on va présenter quelques pages. Ça donnera une idée à nos amis Mi du contenu de ces sources. Donc là, Pierre, voilà, on est sur les sources de Shambhala. Le livre, donc ça sera un livre Format BD, voilà, format BD aussi, d'accord. grosso modo un A4. C'est ça. Donc là, effectivement, on retrouve les 4 BD sur lesquels. Voilà, les albums, un petit rappel de la série, hein, bon, pour situer un petit peu, parce qu'on a construit le livre dans l'ordre chronologique, donc album par album, et dans chaque album, on a suivi l'ordre de la narration, en fait. C'est pour ça que les sujets arrivent, peuvent être un petit peu. Il n'y a pas une catégorie société secrète, ainsi de suite. On suit vraiment pour chaque scène, on va donner un peu les sources. Donc l'idée, c'était vraiment d'expliquer d'où vient cette histoire, parce qu'on pourrait très bien penser qu'on a tout inventé, alors qu'en fait, on s'est beaucoup inspiré de récits. Alors, par exemple, sur l'aube dorée, on a trouvé un bouquin de William Butler Yeats, qui est un poète irlandais, voilà, vous le voyez là, qui a fait partie de la Golden Dawn et qui a écrit un roman autobiographique, enfin un roman, disons, non, plutôt un récit autobiographique qui parle surtout de son expérience dans le domaine de l'ésotérisme, ses expériences mystiques. Donc, il y a une grosse partie qui raconte vraiment la Golden Dawn de l'intérieur, comment il est rentré, comment il a rencontré Matters, et comment se passaient les initiations, les expériences qu'ils ont pu. Et donc, on s'est inspiré de ces expériences à lui pour, ben parfois, pour les donner à notre personnage, donc Mackenzie. Donc voilà, il y a vraiment plein d'anecdotes de la vie réelle, hein, voilà, qui sont en tout cas racontées comme telles. Voilà, un petit clin d'œil à Jack l'Éventreur, ça c'est vraiment un petit clin d'œil sur le journal. Là, il y a une scène coupée aussi, et puis voilà, la rencontre avec Mathers, comment on a un petit peu créé les symboles ésotériques qui sont dans la BD. Voilà, il y Oui, a parce que vraiment rien n'est plein laissé de. au hasard. C'est-à-dire que là, effectivement, sur la scène, on voit du coin de l'œil j'allais dire ce carré magique, en tout cas ce cercle magique. Et derrière, il y a une Oui, recherche. Vous n'avez petite pas mis ça. explication Il y a une explication. pour dire d'où vient. Donc, ça, c'est l'énéagramme. Après, ben, Yeats, justement, racontait aussi qu'ils utilisaient des petites cartes avec des symboles, mais ils décrivaient pas les symboles. Donc, il a fallu qu'on invente le symbole. Là, c'est le symbole de l'eau. Donc, on a réuni plusieurs symboles comme ça. Voilà, enfin. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui vient vraiment de documents réels, avérés. Après, il y a des choses qu'on a transformées, qu'on a adaptées à notre sauce, et puis des choses qu'on a inventées carrément, quoi. Donc, Oui, c'était forcément, l'idée forcément de. scénarisé, forcément. D'ailleurs, juste pour resituer un petit peu tout le monde, donc toi, tu es dessinateur. Hein, c'est toi Alors, qui avais dessiné. on est trois co-scénaristes. Ouais. Donc, on a fait l'histoire à trois. D'accord, donc Moi, je avec dessine. Cyril et Axel. Cyril et Axel. D'accord. Toi, tu as tout Et dessiné. pardon? Toi, tu as tout dessiné. J'ai tout dessiné, ouais. Alors, je n'ai pas fait les couleurs à part sur certaines séquences, mais j'ai fait le dessin noir et blanc. Et alors pour ce bouquin, il y a aussi Célia Ibanez qui nous a rejoint, donc qui est une romancière de science-fiction.
D'accord. qui a fait H+, Pyramidion, voilà, elle a fait pas mal, un bouquin pour enfants aussi qui s'appelle Kid Mystery, et qui est très branché aussi, pareil que nous, dans les mystères, les sciences occultes, ce genre de choses. Donc elle nous a aidés, elle a écrit quelques articles et certains des articles assez importants, hein, voilà, donc c'est pas des petits détails, quoi. Donc voilà, elle a vraiment participé à ce bouquin. Ouais, on l'a aperçu tout à l'heure quand je faisais défiler la page du crowdfunding. Alors, très clairement, hein, pour ceux qui sont vraiment habitués à ces sujets, etc., vous allez quand même découvrir des choses que vous ne connaissiez pas, parce que vous ne pouvez pas tout connaître, même si vous êtes tout à fait imprégné de tous ces sujets. Et puis, alors, pour les, on va dire, les néophytes, ceux qui découvrent vraiment notre univers, on va dire, là, c'est. Il y a de quoi découvrir. Alors, c'est vrai que à la base, on va dire que le bouquin s'adresse surtout aux gens qui ont lu la BD, qui ont aimé la BD, qui justement peut-être se posent des questions, se disent, tiens, ce personnage-là est réel. Alors du coup, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas? Donc voilà, moi je trouve que c'est toujours intéressant de faire la part des choses. Oui, mais les deux, Après, l'un peut se lire sans l'autre, c'est-à-dire que quelqu'un qui a jamais lu la BD, qui commencerait par le livre, c'est De toute complètement. façon, oui, c'est des sujets qui sont, en tout cas, nous, qui nous passionnent et qui passionnent donc les gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Et on a vraiment creusé. Alors déjà, on avait fait vraiment beaucoup de recherches pour faire la BD, mais on était quand même dans l'imaginaire. Donc, on se donnait des libertés. On n'avait pas forcément besoin d'aller à fond dans la recherche, on va dire. Un sujet qui nous plaisait, on disait, allez, ça c'est bien, on le met dans la BD. Et finalement, en faisant le bouquin, on a fait des recherches supplémentaires. Et moi, notamment, j'ai découvert encore des trucs par rapport au sujet qu'on traite, des trucs que je ne savais pas. Voilà. C'est la question que j'allais te poser, c'est est-ce que finalement le fait d'avoir replongé là-dedans, ça t'a pas donné envie de faire une suite, hein, aux portes? Alors, de toute façon, la suite est prévue depuis le début, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les 4 albums, c'est le premier cycle. Et dès le départ, on avait prévu d'aller jusqu'à notre époque, voire même peut-être d'aller dans le futur. Mais en tout cas, l'idée, c'était de traiter différentes périodes, au moins du XXe siècle. Avec voilà, aussi quelques petits flashbacks sur des époques plus anciennes. Voilà, donc le prochain cycle doit se passer plus ou moins dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'en fait le premier, c'est 1900-1930. Donc, la suite reprendrait vraiment la suite directe du tome 4 avec l'aventure de l'archéologue qui cherche des civilisations dans le désert de Gobi. Enfin voilà, il y a Donc vraiment c'est voilà, quoi c'est faire. prévu, c'est dans les tuyaux. Et dans les tuyaux, alors le truc c'est que moi j'ai commencé à travailler sur d'autres choses. J'ai fait les Thanatonautes, après j'ai travaillé sur une collection Ah, mythologique. excuse-moi, t'as fait les Thanatonautes de Weber, tu les Ouais, as. D'accord. T'as travaillé j'ai fait avec le dessin Bernard. toujours, c'est Corbérant qui a fait le scénario. Voilà, donc c'est une adaptation en 3 tomes du bouquin de Bernard Werber. C'est pour ça que j'avais mis un peu en stand-by les portes de Shambhala. Après j'ai attaqué sur de la mythologie, l'Iliade, Gilgamesh. Voilà, 3 albums à chaque fois, donc ça prend du temps. D'accord. D'ailleurs, ceux qui voudraient savoir en savoir un peu plus, hein, sur ton parcours et
Est-ce que tu as dessiné, voilà, si vous allez sur le site BD Geste, hein, qui est vraiment le site de référence de l'ensemble des BD au moins francophones, je pense que ça traite aussi des BD internationales, mais au moins francophones. Voilà, on retrouve ici effectivement ce que tu as réalisé. Allez, pour finir, du coup, on va redonner quelques chiffres clés. Donc, le crowdfunding s'arrête le 18 juin à Voilà. 23h59. Donc, le 19 juin, vous ne pourrez plus passer par le crowdfunding pour pouvoir avoir ce livre. L'objectif, il est déjà pas mal, hein. On est déjà à 50% alors Ouais. que ça fait à peine 5 jours Ça a que... bien décollé. C'est vrai que on est assez content. Ça se passe bien. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire. Non, non, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et puis en plus, je pense que le fait que vous explosiez les paliers, ça va aussi vous motiver pour sortir les cycles suivants et voir qu'il y a un vrai lectorat qui adore ce genre de littérature. Donc c'est plutôt sympa. Donc 25 euros le livre, frais de port inclus pour la France métropolitaine. Voilà. Après, il y a différents paliers. On rajoute 10 euros pour une dédicace simple, un personnage, un portrait. Après, 55, on a une dédicace un peu plus élaborée avec un personnage en pied, avec un décor. Il peut y avoir peut-être une petite scène avec un ou deux personnages. Après, alors oui, je vois quand même pour 80 euros ou plus le livre Ah, plus il est là, l'intégral. d'accord. Porte de chambre là, mais il n'y a pas l'image. Alors, il faudrait que je vois ça parce que j'avais mis une image. Ok, bon, en tout cas, on retrouve ici le package, la BD que je vous ai montrée tout à l'heure, plus Voilà. le livre. Je D'accord. vais mettre quand même la possibilité de prendre des albums. Donc, je vais faire un petit palier à 20 euros avec un album. Et puis, avec la possibilité d'en prendre un, deux, trois. Après, voilà, les gens peuvent aussi choisir des trucs qui sont pas, c'est-à-dire s'ils veulent des trucs en plus, une dédicace en plus, voilà. Tout ça, c'est modulable, en fait. Oui, je suppose que quelqu'un qui voilà qui prend la dédicace à 55 euros, il te met un petit message en disant est-ce que tu peux me le mettre pour Roger Oui, voilà. hein Voilà. Alors, n'hésitez pas à avec mettre tout des mon messages, amour. s'il vous plaît. Si vous voulez, par exemple, ah, moi, il me manque le tome 2 et je voudrais une dédicace couleur et puis je vais prendre aussi une planche. Vous pouvez me faire un petit message et puis on. Voilà. Voilà, Comme y a ça, moyen parce de. qu'on ne peut pas non plus faire tout, Non, toutes les détailler toutes les possibilités, ouais, tout à fait. contreparties possibles parce que ça fait trop de possibilités, en fait. Si le mec prend un bouquin. Les sources, plus un album, plus une dédicace simple, plus une dédicace couleur. Bon, voilà, on ne peut pas tout détailler. Donc, il y a la possibilité d'avoir une dédicace couleur. Alors là, c'est carrément une illustration sur le bouquin. D'accord. Oui, Là, il y en a un exemple. c'est une C'est mini un dessin. une mini lithographie directement sur le Alors, livre. c'est une dédicace améliorée, on va Ouais. dire. Un dessin en couleur, Mmh. avec un décor, voilà une petite scénette. Ok. Les gens peuvent te demander une scène particulière s'ils ont apprécié une Oui, oui, oui. scène hein, Oui, dans le pourquoi pas, livre. ouais. Ok. Mettez-le dans les commentaires si vous voulez une scène particulière de la BD ou si vous n'avez pas encore lu la BD, le genre d'ambiance que vous voulez, enfin, le genre de personnage aussi. Donc après, on propose une planche noir et blanc format A3. Donc ça c'est quoi? C'est des planches originales qui servent C'est les à planches l'ancrage? originales, oui, c'est là où je dessine en fait. C'est C'est ce ça, que c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une, quoi. Il n'y en a qu'une fois le nombre j'ai. de pages. C'est pas une impression, c'est vraiment le dessin que j'ai fait sur la feuille. D'accord. Donc ceux qui ont la planche, après, il n'y aura personne d'autre qui aura la même. Non, non. Ok. Non, mais c'est bien de le dire. Après, je pourrais la refaire, mais. Ça sera jamais la même. Jamais je le ferai hein, en réalité. Donc, Non, puis ça sera jamais la même de toute non, ce ne sera pas exactement la même. manière.
Donc après, on a une planche format un peu plus grand parce que j'ai travaillé sur des formats différents. Donc A3 ou le format 36-48. Ouais, on est quasi sur du poster là. Ouais, il y en a qui sont même un peu plus grandes, 40 par 50 cm. Et puis la planche couleur. Alors c'est pareil, celui qui veut une planche couleur, par exemple, et qui veut aussi une dédicace couleur dans le bouquin, à ce moment-là, il me le dit, et puis voilà, on fait le total. Et, Donc après, il y a les planches couleur. Alors j'ai fait des planches en couleur directe pour tous les passages qui se passent dans les voyages astro, enfin tout ce qui se passe dans le monde astral, on va dire, dans d'autres mondes. Ça peut être aussi sur certains flashbacks. Donc, je voulais montrer vraiment un style différent pour montrer que ça se passe dans un autre monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a des planches en couleur directe dans l'album. Ok. Bon, en tout cas, c'est un très très beau projet. Valerio, bah, toi qui ne connaissais pas Non. avant ce soir la BD, clairement, ça donne envie. Oh, clairement, mais, moi je suis tout à fait d'accord. On peut clairement commencer par ce livre pour ensuite lire les BD. Je dirais même plus, commencer par ce livre est mieux que lire, est mieux que commencer par les BD, parce qu'au moins tu sais de quoi tu parles. Ah oui, Tu après tu comprends? vas lire la T'as les BD, tu vas la sujets, lire. quoi. Et en plus, ça te fait beaucoup de sujets d'inspiration. Tu découvres ce milieu-là, tu dis, ah ben tiens, il y a ça, il y a ça. Ben, au moins, tu sais où aller, quoi, pour commencer. Ouais, ben, je pense que les deux sont possibles, hein. Après, peut-être Ah oui, que bien sûr. lire les sources avant, ça peut faire un peu des spoils par rapport à la BD. Mais bon, c'est possible aussi. C'est possible aussi. C'est vrai que ça peut donner envie de. Parce que c'est vrai que des lecteurs de la BD connaissaient déjà bien les sujets. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas se mettre dans le bain avant d'attaquer la BD, ouais. Ouais. En tout cas, moi, ce que je vais faire, ça c'est sûr, je vais lire les sources et ensuite je relirai la BD. Parce que je pense que du coup, je la lirai avec un œil différent. Parce que maintenant, ça. Ben, c'est ça, oui, c'est ça. J'ai C'est ça. quelques années, je l'ai lu il y a quelques années déjà. Voilà. Je disais, c'est souvent comme ça, hein, quand tu lis un livre ou quand tu regardes un film, tu le regardes à différentes époques de ta vie. Selon ce que tu as appris, tu auras un regard différent. Donc, en fait, alterner les BD et les sources, même plusieurs fois, c'est pas con, quoi. Ben, c'est vrai que c'est une BD. Qui peut se relire, et ça, les lecteurs nous le disent, et c'est vrai qu'on a un peu voulu le faire dans ce sens, c'est-à-dire que tout n'est pas forcément clair au premier abord, et il y a, je pense, des choses qu'on va comprendre à la deuxième lecture, à la troisième lecture, et puis des petits détails qu'on va remarquer, qu'on n'aura peut-être pas forcément remarqué la première fois. En fait, on peut la relire plusieurs fois et trouver tout le temps des nouvelles choses, je pense. En tout cas, c'est le retour qu'on a eu de certains lecteurs. Et c'est ce qu'on voulait, parce que c'est vrai que c'est le genre de BD que j'aime bien. Des BD qui sont riches, en fait, qui sont pleins de détails et pleins de mystères aussi. Et ce qui fait que quand on y revient, on retrouve encore des nouvelles choses. On a un public. Qui n'est pas énorme, mais on a un public de passionnés quand même, hein. En général, les gens qui ont lu et qui ont aimé aiment beaucoup. Voilà, ça s'appelle donc Les Portes de Shambhala, les sources. Le crowdfunding est ouvert jusqu'au 18 juin, donc ne manquez pas le cap. Après, je pense qu'il y aura toujours la possibilité, effectivement, pour ceux qui Ah n'étaient pas oui, là au oui. rendez-vous, de Ouais. pouvoir acheter le livre, mais ça sera sous d'autres conditions, ça sera en tout cas pas sous des conditions préférentielles de crowdfunding. Voilà. Eh bien, merci Pierre vraiment d'être intervenu pour nous présenter ce très beau projet. On est super content de pouvoir le présenter aux amis. Allez, juste un petit. Merci à vous. Avec plaisir, mais Très surtout sympa. que tu sais, il y a ton collègue qui a participé chez nous dans Génération Cité d'Or numéro 3, puis le numéro 4 d'ailleurs, notre ami Axel Mazuet.
pour nous parler de Loukoumar. Son article sur Loukoumar, Ah oui, très et très oui. bel article Axel, en. c'est une sorte d'encyclopédie. D'ailleurs, tu les as, ces bouquins sur les ninjas? Voilà, parce que c'est vrai qu'il est spécialiste de l'ufologie, de cryptozoologie, et puis de tout ce qui est paranormal, mais il s'intéresse aussi aux ninjas. Donc voilà, ces C'est ça. bouquins. Et ce sont deux manuels de référence, effectivement. Le Shōninki, l'authentique manuel des ninjas. Donc, c'est chez Albin Michel, l'éditeur. Et le Banchen Shukai, si je le prononce bien. Voilà, que vous pouvez retrouver aussi chez Albin Michel. C'est des textes japonais anciens qu'il a traduits en partie et fait traduire et commenter surtout. Voilà, donc il y a tout un. Très bien. Voilà pour l'équipe des portes de Shambhala. Moi, je trouve que la transition la plus parfaite par rapport à cet univers de Shambhala, ben, ce serait d'aller directement vers Rennes-le-Château. Valério, donc, visiblement du 7 juillet au 19 août, il y a toute une série de conférences à Rennes-le-Château. Avec que Rennes le gens qu'on Château, connaît. alors je ne les connais pas tous, j'en connais une bonne partie. Rennes le Château, la Mecque de l'ésotérisme en France. D'ailleurs, très étonné que. Est-ce qu'il n'y a pas une petite référence dans le futur qui arrivera dans les portes de Shambhala par Sur rapport à Rennes le Château? Rennes le Château. Oui. Pour l'instant, on n'y a pas pensé. Enfin, on n'a pas. C'est pas qu'on n'y a pas pensé, mais on l'a pas encore casé dans le scénario, mais c'est pas impossible. Pas impossible. On voulait parler d'un autre endroit un peu mystique qui est moins connu, c'est Théopolis. Je sais pas si vous Ok. connaissez. Oui, Voilà, tout à fait. c'est à côté de chez moi, donc et Rennes-le-Château aussi. Mathieu Lavaux nous en a parlé la semaine dernière. D'accord. Donc, Valério, alors, ça commence le 7 juillet avec Ça Philippe commence Brunel. avec Philippe Brunel, qui n'est pas n'importe qui est le réalisateur de L'Abbé, le diable et le chercheur. Un des meilleurs documentaires sur Anne le Château. Ensuite, on connaît Ludovic Richer, alias Arcana, qui tient sa chaîne YouTube de plus de 230 000, même Ouais. plus encore, 230 000 Ludovic, ouais. abonnés, peut-être à corriger, à vérifier, hein, Ouais. Dire qu'on qui a va nous commencé parler. quasi ensemble C'est vrai. il y À a 6 ans. l'époque, quand Miasme a démarré, Ludovic, enfin, quand on a connu Ludovic, à l'époque, il avait quoi, 5 000 abonnés? Ouais, c'est ça. Et On l'a vu grandir. Ensuite, David Gallet qui va nous parler des zones d'ombre de Rennes-le-Château. Encore une fois, quelqu'un qu'on connaît, qui est passé à la télé pour parler de ce sujet-là. Le 29 juillet, on a Jean-Patrick Pourtal qui, lui, va nous faire un rapprochement avec les Mérovingiens. Alors, Jean-Patrick Pourtal, c'est simple, hein. Il parle de Rennes-le-Château sur YouTube. J'ai une fois calculé la première vidéo à la dernière pour étayer sa théorie. Il fait 8 heures de vidéo. Autant vous dire qu'il connaît un peu le sujet. C'est quelqu'un qui a connu notamment Alain Ferral, Jean-Patrick qui connaît Gino Sandri, donc quelqu'un qui connaît vraiment des personnages principaux de cette affaire, enfin de l'affaire moderne. Ensuite, il y a la table ronde qui les réunit tous. David Gallet, Jean-Patrick Pourtal, Christian Doumergue, Aude Abraham, que ça je ne connais pas les deux derniers, tu vois, et Pinko le 30 juillet. Suivi le 11 août du Christian Doumergue, que tu as reçu ici récemment, il me semble, non? Ben, pour présenter justement son crowdfunding sur son livre La France La France secrète, codée. La France Ou codée, oui. juste La France codée, justement, il parle de Rennes-le-Château, Paray-le-Monial, l'église de Graal, Vitré-Orantec, le château de Dampierre et le château des Avenières, pardon. Et encore d'autres, le 11 août. Et ensuite, les trois derniers, j'avoue que je ne les connais pas. On a Romuald de Cassio, qui parle du code d'Arsène Lupin, Maurice Leblanc, maître du savoir perdu. Une théorie qu'on retrouve d'ailleurs hein, chez Georges Combes dans son documentaire du Da Vinci Code, de De Vinci à Da Vinci Code, ou quelque chose comme ça, le documentaire. C'est On a Rudy aussi Philippe. qui Rudy qui avait fait aussi
un crossover comme ça avec le code Arsène Lupin. Ok, d'accord. Il nous en avait parlé sur la chaîne à une époque. Le 18 août, on a Philippe Duquesnoy, les trois trésors de l'abbé Sonia. Ah, intéressant. De quoi veut-il nous parler? D'un trésor monétaire, plus d'un trésor mystique, plus d'un trésor historique? Et ensuite, on a Richard Audabram, Nicolas Pavillon, évêque d'Alette et de Rennes-le-Château. Alors, c'est vrai qu'elles sont espacées sur 2 mois, ces conférences, mais c'est bien parce que si vous allez dans la région cet été en vacances, peut-être que vous aurez l'occasion de regarder l'une de ces conférences. Et c'est fou parce que c'est quand même un sujet qui passionne encore et toujours, quoi. C'est comme un peu, j'en reviens à la Golden Dawn présent dans les ports de Shambhala. La Golden Dawn, c'est une durée de vie de 17 ans. Oui, C'est pas quelque chose qui a c'est existé longtemps. quelque Et chose qui est pourtant, très on en parle encore, on en parle toujours, quoi. peut-être parce qu'il y a eu, des gens très connus, il y a eu des gens qui ont, il y a eu Bram Stoker, William Butler Yeats, pas mal d'écrivains, voilà, des gens qui ont été connus par ailleurs. Et puis, c'est là où Aleister Crowley a fait ses débuts. Et d'ailleurs, je crois que par rapport à Rennes-le-Château, on est à peu près sur la même période, hein. Il me semble que de mémoire, c'est 1888-1905, il y a quelque chose, la Golden Dawn, en termes d'existence. Ouais. Et l'abbé Sonnière arrive à Rennes-le-Château en 1885, il me semble. Donc on a ce parallèle-là entre ces deux histoires, quoi. Rajouter une conférence, donc Rennes-le-Château et la Golden Dawn. Ah mais comme quoi, c'est assez drôle que fin 19e siècle, il y a deux histoires comme ça qui n'ont peut-être pas de lien ou pas, mais qui ont été créées ou inventées, si je peux dire ça, ou qui en tout cas qui sont là et qui font encore parler beaucoup aujourd'hui. C'est vrai. Bah, c'était une période très, très mystique, hein, enfin, à la fois très matérialiste. Et en fait, le matérialisme, parce qu'à l'époque, c'était la science qui était triomphante, on va dire. Et bah, ça a suscité aussi, de l'autre côté, un appétit pour l'ésotérisme, les sciences occultes et tout ça. Et c'est organisé par qui, alors, ces conférences? Visiblement, oui, Valério, c'est organisé par Jean-Marc Lièvre et Rennes-le-Château, les quatre vérités. C'est cet ensemble de conférences. Voilà. Enfin, j'espère qu'elles seront filmées. Eh bien, écoute, on essaiera de l'inviter à Jean-Marc Lièvre pour qu'il nous en parle et puis on lui posera la question. En tout cas, voilà, c'est une très bonne info. J'en profite pour dire que à la même période et donc au même endroit, vous avez le festival du film insolite de Rennes-le-Château qui va se dérouler du 3 au 7 août 2023. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un festival maintenant qui est annuel, hein, où on va retrouver la diffusion des films, comme leur nom l'indique, qui sont réputés comme insolites. Donc, ça peut être. Je crois qu'il y a deux catégories. Il va y avoir la catégorie court-métrage et puis la catégorie film. Cette année, le festival est placé sous le signe de l'air, de l'oxygène, de la nature et de l'humain. Il est encadré par Julie Depardieu et Philippe Catherine. Voilà. Et avec comme parrain le magicien de la pellicule, Jeanne Kounen. Donc vous pouvez aller sur le site Festival Film Insolite rennes-le-château.fr pour en savoir plus et pour avoir le programme. Donc réservez vos vacances par là, hein. Je crois que il y a plein de choses. Il y a de quoi faire, ouais, Il y a c'est de quoi clair. faire. En plus de ça, c'est une très belle région à visiter, hein. Exactement. Bon, en tout cas, merci Valério pour ce zoom sur ce festival. Ce que je vous propose, les amis mi, eh bien, c'est qu'on passe au courrier des lecteurs parce que voilà, chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer plein de choses. Je ne vais pas vous cacher que l'arbre de la source de Saint-Méen qu'on vous a présenté la semaine dernière a
inspiré certains, dont David Lachance. Et je vais vous montrer ce qu'il nous a préparé. Donc, messieurs, pour vous remettre dans le contexte, la semaine dernière, on a présenté une source guérisseuse qui se trouve au pied de cet arbre qui est magnifique, où personnellement, j'y ai trouvé... J'avais fait une petite expérience, parce que certains géobiologues qui nous avaient accompagnés nous avaient dit qu'il y avait des gardiens qui protégeaient la source et qui étaient dans l'arbre. Alors de mon côté, j'avais trouvé une forme très lumineuse qui pourrait être le gardien. Alors on la verra sur l'autre vidéo que nous a préparé David. Et on a un amimi canadien qui, lui, voit très clairement plein de choses. La plupart des choses sont des pareidolies, mais peut-être certaines sont des aides de la nature dissimulées, camouflées dans des plans, on va dire, éthériques. Okay. Donc là, par exemple, ici, c'est assez rigolo, on le voit bien, là, la petite, je ne sais pas si vous voyez, le petit daim, effectivement, on voit bien son ombre. Bon, là, on est dans de la pareidolie. Ici, on voit bien le masque de carnaval, ici. Bon, voilà, ça, déjà, c'est pour planter le décor, mais il nous a préparé une petite vidéo. Et vraiment, c'est assez bluffant, vous allez voir. Donc, David est reparti du zoom que j'avais fait sur cette arme. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que... voilà, moi, je voyais ici un chat, là, en très... en doré, qui pourrait être effectivement l'un des gardiens de la zone de la fontaine. Et voici ce que lui voit et il en voit. Mais alors, c'est un festival. Et je vais faire plusieurs pauses parce que ça va aller vite. Donc, hop, voilà. Déjà ici, alors essayez de repérer une forme, et puis vous allez voir, on va les enlever. Hop. Ça va vite, hein. Là, vous les voyez. Une fois qu'on les a dans les yeux, on ne voit plus que ça. Hein. Alors lui, il ne voit pas un chat, hein, il voit une grenouille, effectivement. Bon. Ils étaient plusieurs à voir des grenouilles. Mais il y en a qui sont vraiment, vraiment exceptionnels. Hein. Donc on voit terriblement bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Mais est-ce que ce n'est pas des choses qu'on peut voir partout, finalement? C'est ça tout le sujet, tout le propos. Si tu veux, Pierre, j'ai fait une émission avec un autre Canadien l'année dernière sur les aides de la nature. Et depuis, effectivement, on essaye de comprendre ce qui pourrait être la frontière entre de la pareidolie pure, c'est-à-dire ce que l'œil reconstitue et que voilà qu'on peut voir et que n'importe qui peut voir. Donc là-dedans, il y a 99% de chances que tout ce que nous montre David, c'est effectivement de la pareidolie. Et l'autre théorie, c'est que il existerait des plans où des êtres de la nature seraient pas sur notre plan, mais sur un plan parallèle et nous observeraient. Parfois, les plans se croisent et on pourrait les apercevoir dans certaines situations. Et alors, il faut qu'il y ait des contextes un petit peu particuliers. Et à partir de là, le jeu avec nos amis, c'est de nous envoyer effectivement des photos et puis voir quelles sont celles qui pourraient être autre chose que de la pareidolie. Donc, je sais qu'il y en a parmi les amis qui ne croient pas du tout à ce genre de théorie, mais à force d'avoir ces échanges, je vous assure que parfois, on se pose de très très nombreuses questions. Voilà. Et, alors, c'est des choses qu'on peut voir aussi, moi quand je faisais un peu des tableaux abstraits, ou même pas abstraits, mais il y a des zones de peinture où on se laisse un peu aller, il y a toujours des visages qui apparaissent ou des formes qui apparaissent et chacun voit une forme différente. Pour moi, c'est des formes qu'on interprète d'une certaine manière.
Après, ça m'est arrivé de voir un visage dans un arbre qui me regardait. Et c'était quand même très impressionnant, quoi, parce qu'il y avait vraiment le relief qui était les ombres qui faisaient vraiment un visage. Là, d'une espèce de gnome qui me regardait, et c'était assez étrange, quoi. Mais voilà, est-ce Non, mais que... c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'on Là, peut d'ailleurs, l'avoir celui-ci sur de les gnome, plateformes. tu vois, hop, je vais le passer tout doucement. Honnêtement, il est vraiment, quoi. Là, on a l'impression qu'il est celui-ci. Alors, moi, très honnêtement, dans cet arbre-là, pour moi, vraiment le symbole le plus perturbant et qui, pour moi, n'est pas de la pareidolie, c'est cette forme énergétique-là. Voilà. Parce que là, on est purement sur de autre chose que du feuillage. Et puis en plus, j'avais des géobiologues qui ont, une fois j'ai montré la photo, qui ont vérifié si effectivement ils ressentaient quelque chose ou pas. Et pour eux, le gardien était sur la photo. Mais malgré tout, voilà, dans ce que nous montre David Lachance, c'est bah, toi qui es dessinateur, je pense que tu apprécies aussi à sa juste valeur. S'il en voit partout, il en voit partout, c'est ça qui est drôle. Tu vois la grenouille de là que tu montes en vert. Moi, Ben là, il voit une clairement, souris je. maintenant. Ouais. Moi, j'aurais même dit une gargouille, tu vois. Ah Quand tu enlèves le dessin, pour moi, je vois une gargouille, quoi. ouais. Je trouve quand tu es fixe dessus, tu te dis, putain, elle est vraiment flagrante, quoi. Tu dirais presque qu'il y a vraiment un animal, tu sais, mais vu que la qualité est mauvaise, tu le vois pas bien. C'est ça. Faut regarder l'émission la semaine dernière pour avoir une bonne qualité. Parce que là, effectivement, il part de screen, d'émission, et voilà. En tout cas, c'est vraiment David, chapeau, tu nous fais, là, tu nous as régalé en termes de, en termes de restitution de ce que tu vois, toi, avec ton œil d'artiste. Alors, je vais vous en montrer, hop, trois autres. Là, j'ai une série de photos qui m'a été envoyée par Fanglong. Alors, vous allez voir, il y en a trois qui représentent. Alors, pour lui, il ne me l'a pas précisé, mais quand je veux dire, mais ça, c'est un troll de pierre. C'est effectivement ce qu'il voyait. Tu sais, comme dans Le Seigneur des Anneaux, hein, le troll qui s'est pétrifié parce Ouais, c'est vrai que il s'est approché un peu trop près du soleil. Donc là, on le voit bien de profil aussi. ouais, ça... ouf. Ah ouais, celui-là, il est quand même fou, hein. Parce que celui-là, sous tous les angles, ça marche, quoi. C'est ça. C'est C'est ça. souvent dans la pierre, tu as le même truc à Rocamadour. En face de la cité médiévale, tu as une énorme roche et tu vois vraiment un visage. Surtout sur une certaine inclinaison du soleil avec les ombres. Et j'ai remarqué que souvent sur les roches, tu as plus facilement des visages, mais vraiment sous tous les angles, quoi. Ou sur les arbres aussi, hein, des fois. Des vieux arbres. Alors, moi, quand même, sur cette photo, parce que après, vous savez, les amis, hein, que j'aime bien du coup décortiquer les photos, moi, j'ai trouvé un truc quand même bizarre. Une forme qui n'est pas naturelle. Vous allez me dire ce que vous en pensez, messieurs. Ici, ça, je ne sais pas ce que c'est. On dirait une montre. Ces quatre petits points comme ça n'a rien à faire dans la nature. Vous les voyez? Ouais, Ouais. c'est du Le visage. problème, c'est que l'image est de trop mauvaise qualité, quoi. Ouais. Ah, est-ce que c'est pas ton image, les pixels qui ressortent en 4 points parce que c'est tout ce qu'on arrive à Non. capter, quoi. Non, 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 non. Non, j'ai regardé, il y en a nulle part ailleurs des comme ça. Et vraiment, c'est la première fois que je le vois, ce genre de choses. En fait, t'es allé jusqu'à zoomer. Ben oui, parce qu'en général, quand il y a des choses qui se cachent, ça se cache dans l'ombre, tu vois. Donc je vais regarder un petit peu les ombres. Voilà. Les amis, vous nous dites ce que vous en pensez là de celui-ci. Pour moi, il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas naturel.
Voilà. Quand je dis c'est pas naturel, ça veut dire c'est technologique ou ce que vous voulez, hein, mais c'est pas naturel. Alors, Ah là, je celle-ci, coiffe. elle est extraordinaire. C'est la dernière photo que m'a envoyée Fang Long. Ce qui m'expliquait, ça, c'est une photo qui. Lui, pendant un petit moment, il a vécu en pleine forêt, dans une caravane. Donc, on se trouve dans la vallée de Madé, vers Bilom, dans le Puy de Dôme. Et donc, il est avec des amis. Il n'a rien remarqué sur le Vas-y, moment. zoom un peu là. Ah ouais, je vais zoomer. Le Je feu, vais en fait, zoomer. c'est un feu de camp. C'est un feu de camp. Ah Mais ouais. là, y a quand même deux éléments qui sont, voire trois éléments qui sont quand même extraordinaires. Il y a déjà ce halo là qui est là. Et ils l'ont pas vu en direct. Hein. Il ne l'a vu que sur la photo, mais bien après, une fois qu'il a regardé les photos. Ce halo qui est là aussi, qui est bizarre. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est le feu qui projette, on a l'impression que ça vient du haut. Et ça vient se projeter sur le feu, qui a une forme humanoïde. Ouais, On a mais l'impression c'est qu'il y vrai a qu'au un djinn départ, hein, j'ai qui pas sort compris là. ce que c'était. Elle est incroyable la forme. Elle est, voilà, on a Incroyable. même l'impression de voir un bras ici. Ouais, c'est Voilà. Alors après, derrière, là, le truc rouge, j'ai l'impression que c'est peut-être la tête de Ouais, quelqu'un d'autre. Mais un gros feu, en tout cas, il devait bien chauffer celui-là. elle est folle cette photo. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Ah, t'as l'impression qu'il y a une, je sais pas, une marée, Ouais, comment dire, une fée. une fée ou elle est inexplicable quoi. J'ai pas de mots là. Mais au départ, je croyais qu'il y avait quelqu'un en fait qui était éclairé par un spot et Oui, ah ouais, c'est. Non, ils sont vraiment en plein milieu de la forêt. C'est pour ça, vraiment à chaque fois, moi quand vous m'écrivez comme ça, moi je vous renvoie un petit message en disant mettez-moi le contexte, parce qu'on a vraiment besoin de connaître le contexte pour savoir, voilà, cette photo, est-ce que c'est effectivement il y avait des spots au-dessus ou machin. Enfin, parce que sinon, on ne peut pas avoir les mêmes interprétations. Ou alors, l'explication qui serait plus rationnelle, c'est que derrière le feu, il y a une personne, c'est la personne qu'on voit sur les flammes, et qu'une espèce de. La photo, elle a fait une surexposition, ce qui fait qu'on ne voit pas l'arrière-plan de la flamme, plus le feu, et ça fait une seule et même entité. Mais De tenir sur. si mon explication ne fonctionne pas, alors là, je ne C'est sais pas quoi dire. Hein. ça. Bah, surtout, de tenir, on peut trouver des explications rationnelles pour se rassurer déjà, hein, ou irrationnelles pour ceux qui tentent l'aventure vers l'irrationnel. Moi, Bah, là-dessus, je suis très ouvert. Hein. moi j'aimerais mieux trouver une explication irrationnelle parce que ça fait rêver. Ah, ben oui. Mais bon, il faut quand même se méfier de ça aussi, quoi, de l'envie de voir des choses. Après, c'est vrai que la photo, elle est impressionnante, elle est super impressionnante. Tu sais, là j'ai envie de dire, peu importe, imagine que ce soit complètement rationnel, la photo elle est quand même incroyable. Voilà. Surtout que voilà, c'est qu'elle a été faite à un instant bien précis et qu'une seconde plus tard, on n'aurait pas vu ça. C'est ça. Une Bah, seconde et plus puis, tard. même ce dégradé là Par contre, ouais, le halo, je sais pas d'où il sort. Je comprends pas trop. Bon voilà les amis, mettez vos commentaires hein, dans le chat si vous êtes avec nous lors de la première le samedi. Alors je dis le samedi parce que samedi dernier, j'ai un peu loupé le rendez-vous. Mon PC il a crashé au moment de la post-prod. J'ai pu être là que le dimanche midi. Mais sinon, voilà, là logiquement samedi, je serai là. Et sinon, mettez vos commentaires sous la vidéo. Allez, je vous en montre une autre. Alors là, c'est Stéphane. Qui m'a envoyé ça depuis quelques jours. Il voit une espèce de lumière comme ça qui clignote et qui disparaît. Donc forcément, comme à chaque fois, je me suis dit, bah, c'est Vénus. Donc là, c'est lui hein, qui pointe. Il a un petit laser là justement pour pointer. Eh bien non, c'est pas Vénus, parce qu'il va nous montrer où est Vénus. Voilà, Vénus est là.
Ça ressemble plus à Vénus. Ah, ça c'est Vénus. Et cette petite boule-là, bah c'est même pas un satellite, hein. Il n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et dans la deuxième, dans la suite de Ouais, j'allais l'épisode. dire parce qu'au début de la vidéo, elle semble se déplacer et après elle reste fixe, non? Alors ça c'est toujours la problématique de celui qui prend la vidéo. En réalité, ce qui semble se déplacer, quand Ouais. c'est très très loin, c'est souvent la personne qui bouge son appareil qui donne cette impression de déplacement. Mais ce qu'il me disait donc dans la description, c'est que c'était fixe. Et fixe et D'accord, ok. toujours au même endroit en fait. Ouais, allez, je vous montre la deuxième partie de la vidéo, parce que c'est là où ça devient assez étrange. Donc il dézoome. Et vous allez voir, pouf, ça va disparaître. Donc là, il est en train de pointer pour dire, ah, c'est ce truc-là que je vois tous les soirs là, depuis un petit moment. Voilà. Et plus. Et il n'y a pas de nuage, il n'y a rien. Il attend quoi pour aller sur place? Ah, Sur c'est place, tous les soirs, moi j'irai sur place. mais il est sur une île en fait. Le truc, c'est qu'il est sur l'île, je ne sais plus c'est Quiberon ou je l'ai noté quelque part. Alors, du coup, moi j'ai fait des arrêts sur image. Et je vais vous montrer mes arrêts sur image. On dirait que ça change de couleur, non? Ouais. Donc, j'ai fait des arrêts sur image. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, Pierre, ça change de forme, ça change de couleur, et il y a de la consistance à l'intérieur. Donc, j'ai cette première photo où là, on commence à percevoir des espèces de petites boules à l'intérieur. À un moment donné, elle prend cette forme qui est assez surprenante. Il y a deux grosses boules ici sur, de part et d'autre, et une grosse tache lumineuse. Et elle se transforme, mais à chaque fois en changeant de couleur, c'est ça qui est très surprenant. Alors peut-être que ceux qui sont spécialistes dans la photographie vont pouvoir nous dire, mais non, mais ça c'est normal, ça le fait avec tous les astres. Bah, expliquez-le nous, hein. Nous on ne sait pas trop. Et là, tu vois ici, hop, si, faut pas trop que je zoome, là on aperçoit des petits points lumineux à l'intérieur. Hein. Alors là, celle-ci c'est flagrant. C'est un anneau, quoi. C'est un anneau rose. Dans Yu-Gi-Oh, c'est la carte de destruction, elle s'appelle. La mettre à l'écran. Là, on dirait un L. Là, on dirait une arbalète. Et le truc, il change et de couleur, et de forme, et de consistance. Et puis, quoi, vous les voyez, les points à l'intérieur? Ouais, mais j'avoue que je sais pas quoi dire en fait. Ben, moi non plus. Moi non plus. C'est dingue, toutes les couleurs, bizarre. C'est ça. Donc, c'est Stéphane qui a filmé ça le 7 mai à Noirmoutier à 23 h. Et ce qu'il me disait, c'est que ben, ça apparaît depuis, voilà, depuis plusieurs jours, régulièrement. Il sait pas pourquoi. Donc, si vous avez une idée du côté des amis, n'hésitez pas à nous le dire. Et merci de partager vos news. Vous pouvez m'en renvoyer sur l'adresse suivante, lejournaldbn@gmail.com. Et surtout, vous mettez le contexte, donc des vidéos, des photos. Valerio, allez, sortie internationale d'un jeu attendu par tous les gamers cette semaine. Alors, il est sorti le 12 mai, pour être très précis, mais c'est aujourd'hui qu'on va en parler. Et finalement, tu vois, tu disais tout à l'heure que la meilleure transition avec les ports de Shambhala, c'était Reine de Château. Ben moi, j'ai presque envie de dire que finalement, c'était peut-être ce jeu-là. Zelda, Tears of the Kingdom, les larmes du royaume. Alors, pourquoi vous allez me dire qu'on parle de Zelda et de jeux vidéo sur Mias? Parce que c'est vrai que c'est un sujet assez rare. Bon, juste un petit chiffre comme ça, hein. Pour vous dire, hein, il s'en est vendu 10 millions en 3 jours à travers le monde. Donc, c'est plutôt un énorme succès. Alors, Un peu plus j'ai que les 10 Chambalay. millions en 3 jours. Pardon? Un petit peu plus que Chambalay, quand même. Un petit peu plus, un tout petit peu plus. Pourquoi je viens avec ce jeu-là? Parce que j'ai commencé le jeu. Alors, évidemment, je n'ai pas fini. Hein. C'est un jeu quasiment interminable. Parce que je remarque depuis plusieurs années, m'intéressant au sujet des mystères inexpliqués,
et donc à toutes théories diverses et variées sur notre monde, que ben il y a plus en plus de jeux comme Zelda qui font référence à des civilisations antiques, des civilisations passées qui ont existé sur notre Terre et qui ont aujourd'hui disparu. Et ça ne nous rappelle pas moins que toutes ces théories de Zanunnaki, de néo-évémérisme. Et je trouve ça intéressant que, tu vois, nous, on nous prend pour des uluberlus parfois quand on en parle. Et finalement, dans ces jeux vidéo qui sont des grosses prods, là, c'est Nintendo qui. Alors, certes, vous allez me dire, c'est du fantastique. Mais eux, ils intègrent ça normalement en nous disant, bah, regardez, il y a 10 000 ans, 20 000 ans, il y a une civilisation antique qui a créé l'homme, qui a existé sur Terre. Alors là, je prends l'exemple de Zelda. Mais par exemple, les Assassin's Creed, qui là, pour le coup, est créé par Ubisoft, eux, ils ont développé toute une mythologie autour de ça. Alors ici, chez Ubisoft, ils les appellent les Issus, ou les Insus, ou les Isus. Ça dépend comment on prononce. Là, ce serait une civilisation qui aurait 70 000 ans, qui daterait de 70 000 ans avant notre ère, qui aurait créé les humains, il y aurait eu des hybridations. Bah, franchement, là, on est dans les Anunnaki, quoi. On est complètement dedans, quoi. Alors, nous, on nous prend parfois pour des uluberlus quand on en parle. Mais tu te dis quand même que tous ces scénaristes-là qui ont bossé sur finalement des énormes prods, ils ont dû aller chercher ces informations quelque part. Ou alors ils avaient un savoir ou un truc, ou ils veulent peut-être nous faire passer un message. Mais il y a quand même, je remarque de plus en plus de jeux qui vont chercher bah, ce monde du mystère inexpliqué que nous, on essaye d'approcher ou dont on parle depuis plusieurs années. Bah, toutes ces prods-là, finalement, elles s'en inspirent, quoi. Mais de plus en plus. C'est vrai que oui, il y a un lien avec Shambhala parce que nous aussi, on a mis justement dans une histoire imaginaire plein de choses qui sont voilà, de l'ordre des mystères, des mystères archéologiques, enfin tout un tas de trucs, quoi. Et du coup, dans une BD, on peut le prendre comme quelque chose de totalement imaginaire. Ou se poser des questions, se dire tiens, mais justement l'imaginaire permet toutes les libertés, Bien sûr. alors que c'est vrai qu'on est dans une société qui est en même temps de plus en plus rationnelle, finalement on s'autorise pas à faire des hypothèses en fait. C'est-à-dire que même des hypothèses, se dire, tiens, par exemple, et si une autre civilisation avait créé les humains, pourquoi pas, mais rien que ça, on passe pour un fou. Alors que c'est juste, en fait, se poser des questions, imaginer des choses en se basant. Et c'est dommage parce que finalement, ces jeux-là, ce sont des énormes cartons. Ce sont des énormes cartons, ce sont des histoires. Alors, elles sont vraies, elles ne sont pas vraies. Alors, bien sûr, c'est du fantastique, donc c'est romanesque, hein. Mais peut-être qu'il y a une part de vrai dans tout ça. Peut-être qu'il y a une part de vrai, et finalement, on sent bien que peut-être que finalement, ces histoires, elles fonctionnent, qu'elles attirent les gens, que ça leur plaît, c'est peut-être que. Il y a peut-être un lien avec notre histoire à nous, en tant qu'être humain. Un film soit-il, hein, peut-être qu'il y a peut-être 1% de vérité, mais n'empêche que ce pourcent de vérité, il est là, quoi. Est-ce que ça ne parle pas à notre mémoire génétique? Tu sais, c'est Bah cette là, t'es. mémoire qui est inscrite dans notre ADN. Mais ça, c'est Assassin's Creed, hein. Mais oui, complètement. Assassin's Creed, c'est ça, L'animus, bah oui, c'est hein. en plus. L'animus, c'est Oui. complètement ça, quoi. C'est la société Abstergo qui veut retourner dans le passé et qui se sert de la mémoire génétique de ses descendants pour voir ce qui s'est passé à l'époque, quoi. On est complètement là-dedans, quoi. Mais tu sais, Assassin's Creed, c'est incroyable parce que dans Assassin's Creed, on nous parle de la. Surtout sur les derniers épisodes, on nous parle de l'Atlantide, on nous parle des anciens dieux qui sont en fait des civilisations avancées, mais on est pile dans ce que nous on parle depuis des années, quoi. Ce qu'on essaye de parler, enfin, de théoriser, bien sûr, parce qu'on n'a pas vraiment de preuves là-dessus, mais
Tu te dis, putain, c'est fou, quoi. Tu joues à ces jeux et tu te dis, mais attendez, vous avez lu quoi comme livre? Sur quoi vous vous êtes inspiré pour dire tout ça? Et t'as presque envie de parler au scénariste et dire, attendez, sur quoi vous vous basez, quoi? Non, mais clairement. Mais de toute manière, moi, je me rappelle les premiers Assassin's Creed que j'ai fait, donc tout jeune maintenant, hein. C'était dans les années 2000. Voilà, y avait vraiment le gamer qui jouait parce que c'était un tout nouveau gameplay avec les sauts par-dessus, etc. C'est un truc de malade. Et puis après, il y avait la lecture secondaire, si tu t'arrêtais pour lire. Les livres, ils mettaient des livres à disposition, des chapitres entiers, etc. Et là, tu voyais que effectivement les scénaristes à l'intérieur a passé autre chose de plus que le scénario général du jeu. Il y avait déjà des informations. Et comme tu l'as dit, plus ça montait dans les séries de Assassin's Creed et plus ils allaient loin dans les informations qu'ils donnaient. Sauf peut-être celui qui se passe en Angleterre, qui Je est les ai peut-être pas tous faits. un Hein. peu moins ésotérique, mais... Alors du coup, Pierre, moi je me posais la question, parce que clairement, un livre comme Les Portes de Shambhala, c'est du pain béni pour faire une série Netflix, ou pour faire un jeu à plusieurs épisodes, un jeu d'enquête, enquête à action, comme on dit. Vous avez jamais été rapproché par ce genre de grosse société, grosse structure? Non, non. Après, honnêtement, c'est pas une BD qui a fait un carton et qui a voilà, c'est pas parce que en général, les adaptations vont se faire sur des séries qui ont vraiment très bien marché, qui ont fait un carton, parce que du coup, pour les producteurs, ça fait déjà une base sûre. Donc là, Les Portes de Shambhala, c'est une série parmi tant d'autres qui est un peu noyée dans la masse. Après, nous, on y avait pensé, on s'était dit, tiens, pourquoi pas en série télé. Après, c'est une série qui demanderait quand même un budget assez conséquent. Mais c'est vrai que maintenant, avec les Netflix, et puis les moyens aussi, les moyens techniques qu'on a maintenant, images de synthèse, ça ouvre des possibilités. Maintenant, le propos, honnêtement, je ne sais pas s'il passerait vraiment sur des médias vraiment très grand public comme Netflix ou comme studio de Oh, cinéma. si, si, ils vont très loin dans Netflix, hein, dans certaines séries, ils vont très très loin. Après, il faut savoir le présenter, le vendre et Ouais, c'est-à-dire que avoir. là, il y a quand même, si on creuse un peu l'histoire, on se rend compte que il y a beaucoup de liens avec le réel. Les sociétés secrètes, elles sont réelles, les personnages sont réels. On parle de l'entrée en guerre des États-Unis au moment de la Première Guerre mondiale. Donc, on s'éloigne quand même de la fiction. Enfin, ça semble être une fiction au premier abord, mais si on se renseigne un peu. Et c'est pour ça que je pense que nous, certains gros éditeurs au tout début, voulaient nous signer. Et puis, au bout d'un moment, ils ont reculé. Ils se sont dit, mais attendez. Ça se passe dans notre monde, là, ce que vous racontez. Et on leur a dit, ben oui, c'est notre monde. Et puis, du coup, ils ont reculé, ils ont dit non, quoi. Mais Je suis une demande à l'univers. Moi, de mon côté, je suis une demande pour l'euro-million. Et puis, comme ça, après, je vous finance, je vous produis. Ah, Ah, ce serait bonne idée, génial. ouais, bonne idée. Ah. Ce serait tellement cool, ce genre de choses. Ça changerait en plus. Ok. Bon, bah, écoute, merci Valerio pour ce petit focus sur les jeux. Qui distille ces infos ésotériques pour ceux qui veulent bien les voir, mais de toute manière que ceux qui ont des yeux regardent et ceux qui ont des oreilles entendent. Hein.
quelque chose comme ça. Et pour ceux qui aiment Reine de Château, jouez au Chevalier du Baphomet numéro 1. Vous pouvez tous les faire, hein. C'est une très bonne série, mais jouez, hein. Quelques petits trèfles encore. C'est pas tout jeune, ça. Non, mais ça reste toujours un très bon jeu, donc. Ah, mais je sais pas si ça se joue sur toutes les plateformes maintenant. Ils ont réédité Oui, ils l'ont peut-être réédité sur la Twitch, sur la Switch. il me semble qu'ils ont fait des ils ont réédité le jeu et puis sur PC ça fonctionne toujours quoi donc Ok, on note. On note. Allez, pour finir cette émission qui va être très très longue, donc je vais faire le dernier sujet un petit peu au pas de course. C'est un sujet que j'ai déjà reporté la semaine dernière, parce que l'émission a été très très longue la semaine dernière. Mais il faut que j'en parle là, parce que sinon après on sera plus dans le timing, parce que ça s'est passé le 16 mai au Texas. C'était le Cyber Roundup 2023. C'est en fait une grosse teuf organisée par la société Tesla auprès de tous ses actionnaires pour présenter un petit peu les nouveautés. Donc c'est le site de Fandroid qui nous en parle. Ça y est, Elon Musk nous reparle de son fameux bot, son Tesla bot. Alors peut-être tu t'en souviens, Valérian, on en avait parlé au mois d'octobre avec Jérôme dans une de nos émissions. Tu vois, moi j'ai un problème parce que j'ai vu justement un Tesla bot avec Elon Musk, mais je croyais que c'était un montage Midjourney. Ça y est, c'est foutu. On peut plus regarder les infos. Ça Moi, je part. croyais vraiment que c'était un montage Midjourney. Je me suis dit, ça, les mecs, ils délirent dans tous les sens. Mais ça y est, ça commence. Ça veut dire que ça commence. On sait plus ça, avec Midjourney et toutes ces IA là, on sait plus ce qui est le vrai du faux, quoi. Ouais, Moi, j'étais persuadé que c'était. J'ai vu l'image passer, j'ai fait, oh, les mecs qui ont fait un montage drôle. oui, maintenant on sait plus, hein, c'est fini. Alors, tu m'aurais dit, c'est un montage drôle pour faire une petite satire de Biden. J'aurais compris, parce que tu vas voir. Allez, je vais lancer un peu la vidéo. Hein, il marche un peu à la Biden, hein, je sais pas ce que. Il se trompe de côté, oui, c'est Biden. Voilà. Bon, alors c'était pas terrible l'année dernière quand ils n'étaient pas prêts, hein, clairement. Là, on voit qu'il y a une grosse, grosse, grosse amélioration. Alors effectivement, les mouvements ne sont pas super fluides. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres robots qui font des saltos avant, saltos arrière, ou des robots chiens, vous avez dû voir ça. Mais ils ont vraiment mis le paquet sur. Ben là, tout à l'heure, je vais faire une petite pause. On a vu le robot, il n'écrase pas l'œuf. Il est capable avec ses capteurs, de pouvoir se dire, ah non, là, il faut que je m'arrête, sinon il y a danger pour l'objet qui est en dessous de moi. Il est capable d'analyser son environnement. Ce forcément, ils vont le coupler avec le FSD, c'est le Full Self-Driving. C'est l'IA embarquée dans les Tesla pour avoir des Tesla autonomes. Hein, c'est ça le grand objectif de la marque Tesla, c'est de faire des véhicules autonomes. Là, on voit juste avant, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière, hop, on voit un humain qui est équipé de capteurs et qui fait des manipulations. Voilà, pour pouvoir entraîner le robot, justement, et l'IA du robot, à faire les mêmes manipulations. Parce que la plus grosse difficulté chez les robots, finalement, c'est l'appréhension de faire quelque chose qui ressemble le plus aux humains. Et là, les résultats sont assez bluffants. L'objectif d'Elon Musk, c'est de. C'est Biden. L'objectif de Musk, c'est d'assister à un moment donné dans les tâches les plus dangereuses, les plus pénibles dans ces usines, d'assister les ouvriers. On voit très bien où est-ce qu'il veut en venir, Musk, à un moment donné, c'est de remplacer tous ces ouvriers et d'être comme dans le film, c'était comment il s'appelait celui-ci avec Will Smith, c'était IA, je crois, tout simplement. Irobot, non? Oui, Irobot. iRobot, ouais, peut-être. D'après Asimov, hein. Bah oui. Bien sûr.
Bien sûr, le père de la robotique, ce cher Isaac. Et d'ailleurs, du coup, alors peut-être que Biden, c'est un robot finalement. Va savoir. Ça aussi, on l'a déjà vu dans la science-fiction, hein, un président qui était en fait un robot. qui était remplacé. Donc voilà, ce que tout ça pour montrer, c'est que ils n'étaient pas prêts au mois d'octobre. Là, en 6-8 mois, ils ont encore fait un bond phénoménal. Ça va très vite, hein, entre la robotique et l'intelligence artificielle, ça va très très vite. Et là, c'est vrai qu'on rattrape la science-fiction, hein, vraiment, quoi. Ah ben, on met les deux pieds dedans. Et alors c'est vrai que c'est un côté pour ceux qui sont fans de science-fiction, c'est un côté génial, mais tous ceux qui sont fans de science-fiction aussi savent que c'est un côté terrifiant. Tout le monde a vu Terminator, je Mais vous. c'est toujours pareil, hein. L'homme invente des trucs, mais il se pose pas la question du pire, quoi. Il se dit pas qu'est-ce qu'il peut. C'est le propre de l'homme, hein. On va se prendre en pleine gueule, un jour il va nous arriver un truc avec l'IA, hein. On le sait très bien, hein. Mais on attend que ça nous pète à la gueule pour dire ah, comment on peut réparer ça? Mais déjà, comme tu disais tout à l'heure, l'IA est en train de remplacer les illustrateurs. Voilà, en 3 secondes, on peut se faire une image. Bon. Et le nombre de boulots qui vont être remplacés par l'IA, déjà pour commencer, hein, comme première conséquence. Ouais. Ah, mais complètement. Donc l'humain va devenir accessoire et inutile. La masse des inutiles. Ah, où l'humain vivra comme les Romains. C'est-à-dire qu'on aura Ouais, un des certain milliards temps, d'esclaves robotisés. je Voilà. Et on deviendra tous obèses et inutiles. Voilà. pense. Si je peux conseiller un film, c'est pas un film qui casse trois pattes à un canard. Il n'est pas excellent le film. Ça s'appelle IA Rising. C'est un film qui est sur Amazon Prime Video. L'histoire, c'est quelqu'un qui doit traverser une galaxie dans un vaisseau, mais sur une très longue période, sauf qu'il sera accompagné d'une IA qui ressemble à une femme, quoi, hein. Extérieurement, tu ne dis pas que c'est un robot. Sauf que lui, ben, pour lui, c'est qu'un robot, et puis les mois passent, et finalement, est-ce que c'est pas plus qu'un robot à la fin, quoi? Le film est pas fou, mais je trouve que le lien entre l'humain et l'IA, il y a une vraie question, tu vois. Tu vois, je me pose la question, c'est est-ce que dans 100 ans, ou je sais pas, dans 50 ans ou dans 100 ans, est-ce qu'il n'y aura pas la discrimination contre les robots, tu vois? Est-ce Mais qu'il n'y aura ça, pas des lois qui vont sortir en mode vous ne pouvez on nous pas critiquer prépare les robots? déjà. Moi, j'ai l'impression qu'on nous prépare déjà à ça, quelque part, quoi. À accepter le robot ou à accepter l'intelligence artificielle comme voilà, quelqu'un qui a des droits. Enfin, en même temps, Exactement. c'est une façon aussi de ramener l'humain à l'état d'objet, finalement. Parce que si on se dit, bon, un robot, finalement, a les mêmes droits qu'un humain, ça veut dire qu'un humain est un objet. Mais ça va être très intéressant et en même temps très compliqué de comment tu considères la chose, quoi. Parce que si tu arrives à avoir une IA extrêmement performante et Oui, intelligente, c'est vrai que. même toi, en tant qu'être humain, tu as quelqu'un en face de toi qui est de la même forme que toi, sauf qu'en lui, ce n'est pas de la chair, c'est de l'électronique. Mais Est-ce que tu vas pas. à partir de quel moment? Parce que si l'IA peut, on va dire, simuler des émotions, toutes les émotions humaines, si elle peut les simuler, ça veut dire qu'elle les simule pour elle-même aussi quelque part. C'est-à-dire au bout d'un moment, est-ce qu'elle va pas finir? C'est là où on se demande à quel moment l'émotion est simulée et à quel moment elle est vécue, quoi. Ben regardez le film, justement, c'est super intéressant parce que dans ce film, il traite cette question-là. Mais tu vois, je me dis qu'il y a des gens, ils sont pris d'amour par leur voiture, par leur montre, Ah oui. par leur, je sais quoi, ce que vous voulez, alors pourquoi pas une IA, quoi, finalement. Oui, bien sûr, si on a une IA qui peut imiter parfaitement, parce qu'au bout d'un moment, oui, on voit les Japonais aussi qui arrivent à faire des robots avec des visages humains, ça devient très proche de l'humain quand même, hein. On n'y est pas encore, mais on sent que d'ici 10 ans, peut-être, ou 20 ans, je ne sais pas, on pourrait avoir vraiment des réplicants, comme dans, voilà,
qui ressemblent vraiment à des humains. Comme dans Blade Runner, ouais, tout à Dans fait. Blade Runner, ouais, et qui ont les, qui peuvent montrer les mêmes émotions. Alors, à partir du moment, on va se dire, mais est-ce que l'émotion, elle est simulée ou pas? Donc, ça, ouais, ça devient compliqué, ouais. Ça devient compliqué. Il y a quelques minutes de ça, on parlait d'un ancien de Microsoft, hein, ou de Google, non de Google, qui s'est fait virer parce qu'il avait dévoilé que l'IA de Google bien, avait des sentiments et avait une conscience. Donc ça a été un peu Oui, étouffé. j'avais entendu ça, oui. Ouais, ça a été un peu étouffé dans l'œuf. Et puis là, il est revenu sur le sujet parce qu'il y a un autre grand ponte de l'IA de Google qui est parti aussi et donc qui s'est remis à parler. Mais oui, on va y aller. Et puis, comme on le disait la dernière fois, c'est le jeu vidéo Valerio, Become Human, Detroit Become Human, où ces robots, ces androïdes dotés d'une IA et dotés d'une apparence complètement humaine, voilà, c'est à un moment donné, ils sont plus humains que les humains. Et effectivement, il y a toute cette histoire de fond, c'est la discrimination justement contre ces robots qui veulent se libérer et puis être reconnus comme des entités à part entière. Bien voilà, messieurs, on va s'arrêter sur cette belle pensée après une très très longue émission. Pierre, on a été super ravis de te recevoir Moi pour la aussi. première fois sur la chaîne. Voilà, je vous rappelle, son crowdfunding, c'est jusqu'au 18 juin, donc n'hésitez Voilà. pas à participer. Valerio, eh bien, pour ceux qui te suivent, tu continues sur Twitch, logiquement, de temps en temps. Logiquement, mais ça fait un moment que j'ai pas stream. Hein. D'accord. J'avoue que c'est un peu exceptionnel que je sois là, mais En tout cas, non, mais t'as. suivez Miasme TV, et on se reverra. Bah oui. Inévitablement, dans tous les cas. Et puis, vous, nos amis mis. Passez un très très bon week-end. Voilà, on sent les beaux jours arriver, la chaleur arriver. Profitez, sortez, profitez de la nature. Et puis on se retrouve la semaine prochaine sur Miasme TV avec Jérôme pour le numéro 38. Ciao, ciao. Merci, au Ciao tout le revoir. monde. Ciao. Salut. Alors.